bien entendu, je les condamne énergiquement. Et je suis peiné de constater que l'État est chargé d'assurer la protection des citoyens guinéens lorsqu'il s'agit des militants de l'opposition ne fait absolument rien. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois, c'est 94 fois où il y a eu des citoyens guinéens à qui on a ôté la vie et sans qu'on ait une réaction des autorités de ce pays. Encore une fois, aucune enquête. Alors, aucune compassion. Oui, aucune compassion. Mais comment vous trouvez qu'à chaque assassinat, ce sont les milliers de personnes qui accompagnent les corps avec les parades? Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de voir autrement l'enterrement? Écoutez, d'abord, les gens viennent pour rendre hommage à la victime, pour l'accompagner à sa dernière demeure. Mais aussi, ils viennent pour marquer leur album face à cette tuerie arbitraire, injustifiée, et qui n'ont pas eu droit à la justice familiale. C'est une forme de protestation, une forme d'interpellation des autorités de ce pays, de la communauté nationale, la communauté internationale, la société civile, tout ce que le pays compte de force vive pour que les gens prennent conscience de cette injustice qui est en train d'être commise en permanence contre des citoyens de la République. Qui a fait les... jusqu'à présent, ni à la protection de l'État, ni à la justice. Merci.